Salut à toutes et à tous, c'est le Vache d'Esteban, j'espère que vous allez bien, comme ça va parfaitement mes amis. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour tout simplement vous montrer que j'ai acheté un nouveau canard de saxe, comme on peut le voir devant vous. Donc la femelle c'est la beige, et le mâle c'est celui qui a le bec jaune avec la tête grise, le collier blanc, le plastron marron et le reste du corps gris. Donc il est juste magnifique, voilà. Donc je l'ai acheté le lendemain de la mort de mon autre canard de saxe, parce que je voyais que la femelle commençait à l'appeler l'autre. Elle était toute seule dans la mare qui est juste là. Voilà, donc elle était toute seule et elle commençait à crier pour l'appeler bien sûr. Du coup ça me faisait de la peine et je lui en ai racheté un autre. Dans tous les cas j'allais lui en racheter un autre, mais bon là je lui ai racheté le lendemain, donc c'est allé assez vite, voilà. Donc je l'ai acheté à 30-40 minutes de chez moi. Chez un gars qui lui restait deux mâles, et puis il avait 6 femelles et deux mâles, et puis il les vendait tous. Du coup je lui ai acheté un mâle, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il est juste magnifique, hein, autant que l'autre, voilà. Donc c'est bon, normalement je devrais pas avoir d'autres morts, hein. J'espère qu'il est mort d'autre chose qu'une maladie, ou que mon dindon l'ait tué l'autre, voilà. Mais je pense pas que ce soit mon dindon, parce que je vais vous dire un truc, tout simplement mon dindon était très fatigué là depuis un ou deux jours, il marchait plus du tout, carrément. Et puis au bout d'un jour ou deux, il allait bien mieux, il refaisait la roue et tout ça. Donc ça doit être un truc, une maladie ou quelque chose qui attaque mes animaux. Donc j'espère que c'est pas trop ça et puis que ça reviendra pas. Voilà. Bon mes amis, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer que j'avais acheté un nouveau canard de saxe. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, à partager, ça fait toujours extrêmement plaisir les amis. Et puis on va atteindre bientôt les 500 abonnés sur la chaîne, c'est juste énorme, vraiment énorme les amis. Donc on est pour l'instant 487, donc faites-moi péter la barre des abonnés, je veux atteindre les 500 abonnés avant la fin des vacances de Pâques, hein. Donc voilà, donc c'est vacances. Donc ça se termine... lundi, voilà. Donc le lundi on va pas en cours, enfin moi personnellement je vais pas en cours parce que c'est je sais plus quoi là, le Pentecôte, je sais pas quoi là. Bref, on s'en fout. Donc ça se finit lundi en gros. Donc voilà, faites-moi péter la barre des abonnés, ça ferait extrêmement plaisir d'atteindre les 500 abonnés avant la fin des vacances d'avril. Et puis moi je vous dis à plus pour une vidéo les amis. Ciao tout le monde !